Et derrière le poster se cache une star fragile. Qui va précipiter sa propre chute avant de renaître. Pour réaliser le plus incroyable comeback de l'histoire du cinéma. Et enfin gagner sa place dans la légende. Ce jeune homme très demandé n'a pas toujours vécu à Hollywood. Même si les sonorités sont voisines, sa vie à lui a commencé à Englewood. À quelques 4000 km de là. Celui que toute sa famille surnomme Johnny a vu le jour le 18 février 1954 dans cette cité d'or Toire près de New York. Across the Hudson. River from New York City and westward into the state of New Jersey is the city of Englewood. Englewood could be any one of hundreds of American communities. Paré de la grande ville par un pont, le Washington Bridge. Johnny est obligé de travailler très tôt pour aider ses parents. À 13 ans, il est commis dans un supermarché. La famille Travolta se démarque par son goût pour le théâtre. Si Salvatore, le père, a échoué dans une carrière sportive, Hélène, la mère, a connu dans sa jeunesse quelques succès d'actrice. Et c'est elle qui transmet sa passion à ses enfants. Tous les soirs, chez les Travolta, Hélène improvise des spectacles. Sur la petite scène que Salvatore a aménagée spécialement dans la cave. Either sports in our family with my dad, or it was acting with mom. Dès 16 ans, il décroche un stage dans un théâtre du coin. Et un tout petit rôle, il se fait d'emblée remarquer par un impresario. Lui offre un train direct pour Broadway. I remember the day my father started saving for... my college education. It was my 10th birthday. And he opened a savings account for $10. You do the studying, and I'll do the saving.
He had it all planned. There was only one thing he didn't plan. Working at the time, it was summer theater, right? And he said, I said, Dad, is everything... Things went so well, why don't I just continue it? And he said, well... I mean, you can stay out. If it doesn't, you go back to school. I said, it's a deal.